Bonsoir les filles, bonsoir Bruna. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Bruna qui est notre coach en manucure, en prothèse ongulaire. Nous avons ce soir Bruna Fabienne. Fabienne, elle a 21 ans et Fabienne, elle a les ongles courts. D'accord. Donc elle te demande tes secrets pour entretenir les ongles courts. D'accord. Alors Fabienne, ce que tu peux faire, c'est toujours de les limer, donc il faut oublier les coupes-ongles, toujours les limer, toujours repousser les petites peaux qu'on a autour, essayer de faire au moins un trempage tous les, bon, on va dire tous les mois, et puis toujours bien hydrater les mains, et aussi utiliser une huile à cuticule par exemple pour les repousser, puisque ça va permettre de les ramollir avant de les repousser. Et... on peut se mettre aussi un produit le soir avant de se coucher pour bien hydrater sous forme de crème. Les crèmes pour les mains, on peut les utiliser aussi pour la journée par exemple. Et puis le soir, ce qui est le mieux à faire, c'est d'utiliser de l'huile. L'huile de ricin qui est réputée justement pour bien hydrater les mains. C'est vrai qu'on a toujours les mains dans différents produits. Ben oui. Voilà, donc il faut quand même, c'est ça, toujours les entretenir. C'est ça. Les hydrater et en prendre soin. Donc le soir, quand vous regardez la télé ou vous lisez votre bouquin, c'est ça ? Oui, on met une crème pour les mains et on insiste sur les ongles. C'est ça, toujours insister sur... On s'occupe de soi, c'est bon ça Et ça fait du bien. Ah, ça fait du bien de s'occuper de soi. Merci beaucoup Bruna. Merci. Les filles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à nous envoyer vos questions sur www.secretsdefilles.tv et bien évidemment notre page fan. J'étais ravie de vous revoir ce soir et je vous dis à demain soir. Des bisous. Ciao. Au revoir.